ساكن ساكن والله فضيحة والله حشمة والله. Magnifique, magnifique, magnifique. Il n'y en aura plus des mariages comme ça. Maintenant, les mariages comme ça. Ah. Ah, wallah. Toujours des Khadija à la cuisine, les mêmes mams. Celles qui ont de la graisse, là, avec plein de bracelets. Wallah, frère, attends. Allô? Allô? Oui, salam. C'est le live de Bassem? Oui, c'est le live de Bassem. Sois la bienvenue, t'es en direct, on t'écoute. Ah bah, je me disais bien bonsoir. Bonsoir. J'espère que je vous dérange pas. Non, absolument pas, on t'écoute. Je vous appelle parce que tout à l'heure, vous avez parlé des femmes, à un moment donné. Ouais. Et je voulais votre point de vue et aussi m'adresser aussi de votre communauté. Bien sûr. Je voulais dire qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup du féminisme, tout ça. Moi, personnellement, je vais vous dire, je ne suis pas forcément pour, en tout cas pas le féminisme d'aujourd'hui. Le féminisme d'il y a 40 ans, ça, c'était le vrai féminisme. On se battait pour des vraies valeurs, pour des trucs, des droits des femmes, etc. Aujourd'hui, le problème, et ça, je voulais vraiment dire aussi, vraiment, surtout nos sœurs, etc., faites attention, il y a beaucoup de... comment dire, de bêtises. Nous, par exemple, on a des intervenants qui sont venus en cours, des femmes, hein, qui nous ont dit, ouais, sortez en crop top, c'est ça la liberté, vous allez vous émanciper comme ça, etc. Ce qui est intéressant dans ton débat, parce qu'il est fort intéressant, c'est que le féminisme, au début, il fallait qu'il soit là pour sauver littéralement des femmes, parce qu'il faut dire la vérité. Avant, il y avait le féminisme, pour moi, a servi à... Qu'est-ce que le féminisme a fait, la première chose? Il a émancipé la femme, comment? Financièrement, sentimentalement, en créant le divorce.